Ces images sont le résultat d'une promenade dans la métropole bordelaise au cours de laquelle je collectais des mauvaises herbes, c'est-à-dire des plantes sauvages qui poussent dans le voisinage des humains et parmi leurs artefacts. Cette chose que j'ai cherchée, c'est ce voisinage en fait de la culture et de la nature, essayer de trouver le point où elles se confondent et où la nature bascule dans l'histoire des hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai titré « Nouvelles espèces de compagnie », roman, parce que les noms proposent cette densité narrative qui permet de romancer la promenade. C'est toute une équipe ici au Jardin Botanique qui s'est mise en place pour que chacun apporte un peu de sa connaissance. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir quelqu'un avec une démarche artistique qui s'intéresse à connaître, à voir le fond de la connaissance sur les objets photographiés. Cette transdisciplinarité pour nous est extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une action culturelle dans son ensemble, allier la science et l'exercice artistique me paraît être quelque chose d'extrêmement important pour qu'un maximum de gens puissent comprendre ces démarches.